Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwaptv.fr, c'est parti pour Rugby Time. Nous sommes le dimanche 11 mai 2014, voilà, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Rugby Time, c'est chaque dimanche toute l'actualité du rugby résumée en une demi-heure, moins d'une demi-heure même, avec notre consultant Philippe. Bonjour Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Voilà, après une petite semaine de pause, on revient pour parler aujourd'hui du top 14. C'était les barrages ce week-end et puis la dernière journée de Pro D2 tout de même. Avec un programme donc bien chargé. Hein. Absolument, Martin. Et on va tout de suite commencer, Philippe, par les barrages de la Pro D2 avec deux matchs. Hein, à commencer par Clermont. Clermont qui jouait face à Castres, un match assez important pour les Clermontois, malheureusement une défaite pour eux et une bonne nouvelle pour les supporters de Castres, victoire 22-16. Avant d'attaquer ce match, Martin, c'est très juste de peut-être dans un premier temps revenir sur, parce que j'ai lu pas mal de choses dans la presse, revenir sur ce que nos confrères journalistiques ont souvent noté comme surprise de ces deux barrages. Moi, je trouve que la surprise aurait été que ni le Racing ni Castres passent, très très sincèrement, car depuis plusieurs semaines, Martin, qu'on travaille sur cette émission et qu'on fait l'émission ensemble, on a quand même pu constater que Toulouse, cette année, n'est plus le Toulouse qu'on a connu les années précédentes, très très clairement, et que Clermont est également en panne d'inspiration, on va le dire comme ça, depuis maintenant pas mal de temps. Oui. Donc pour moi, c'était deux équipes qui avaient effectivement l'avantage de recevoir sur leur terrain, mais deux équipes en mal de jeu, qui se posaient beaucoup de questions. Pour Toulouse, on y reviendra, des explications qui ne sont pas forcément celles de Clermont. Mais en tous les cas, pour moi, une surprise qui n'en est pas vraiment une. Et je trouve que la place du Racing et la place de Castres, en tous les cas pour ces demi-finales, est totalement méritée. Et je pense que ce seront deux non pas des faire-valoir, hein, mais deux sacrés morceaux que devront s'avaler et Toulon et Montpellier pour pouvoir accéder à la finale. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va reprendre le match de Clermont. C'est Clermontois, je l'ai dit depuis quand même, on va dire maintenant, là aussi plusieurs semaines. On voit bien que Clermont cale des défaites à répétition à l'extérieur, surtout dans la manière, bon, à Grenoble, mais surtout à Brive, à Bayonne, des victoires vraiment à l'arraché sur leur terrain. Je dirais peut-être même avec quelque part plus les équipes qui venaient au Marcel Michelin ces derniers temps, pas forcément pour gagner. Donc voilà, mais on voyait bien que ça n'allait pas du tout. Le coup de massue terrible qu'a reçu Clermont lors de la demi-finale à Twickenham contre les Saracens n'était pas qu'une alerte. C'était vraiment un constat que cette équipe va pas bien. Alors, on revient toujours sur le fameux mental de Clermont, mais je crois que c'est une vraie réalité. Pour être tout à fait franc, Martin, j'ai quelques amis à Castres avec qui j'ai pu discuter avant le match, quelques joueurs. Et très très franchement, et c'est ça qui est terrible pour Clermont, c'est que les Castrés étaient ravis de tomber sur les Clermontois, mais ravis, en se disant... c'est la meilleure équipe qui pouvait enfin sur laquelle on pouvait tomber, parce que Clermont ne fait plus peur dans ces matchs de barrage, dans ces matchs qualificatifs, parce qu'on sait que leur mental est très 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 friable, et on l'a vu encore une fois, il manque de leader, il manque véritablement d'un collectif qui a envie de la gagne, qui a envie de la niaque. Donc oui. la victoire de Castres, elle est complètement méritée, hein, Martin, hein. En plus, Clermont a réussi à un moment à avoir un double bénéfice. Deux cartons jaunes reçus par les Castrés. Clermont n'en a pas profité. Je crois que même ils ont encaissé trois points plutôt que de mettre eux des points. Mais surtout le match, si ce n'est les cinq dernières minutes, où on a vu un Clermont un petit peu se révolter.
mais dû aussi peut-être à un petit coupable relâchement des Castrés, qui avaient déjà partie gagnée. Mais on ne peut rien dire par rapport à cette victoire, si ce n'est de féliciter ces Castrés. Ils ont joué sobrement, simplement, efficacement, et eux avec des vrais leaders, un Rory Cocotte qui était plus discret depuis quelques temps et qui sort quasiment le match idéal face à ces Clermontois. Un Dulin sur les relances vraiment impressionnant et qui aujourd'hui, je pense, s'installe pour un bon moment s'il n'a pas de blessure et je l'espère pas pour lui en équipe de France. Une troisième ligne omniprésente et puis un alignement en touche redoutable qui a posé aussi quand même quelques soucis à Clermont, même si j'ai trouvé les Clermontois pas si mauvais dans ce domaine-là. Mais bon, au final, une victoire amplement méritée. Pour Clermont, plein de questions, hein. Alors on sait que Verne Cotter s'en va. Quid de la suite? Il y a des joueurs qui arrivent à Clermont. Il y a plutôt je dirais un bon recrutement. Mais est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que le signe indien de cette friabilité mentale de Clermont un jour va guérir? Je sais Ça pas, reste Martin. à confirmer. Ouais. Ça reste vraiment, vraiment à confirmer. Et pour Castres, en tous les cas, qui, il faut le rappeler, hein, est très, très intelligent dans sa gestion de recrutement, très intelligent dans sa façon de jouer. Qui a pas du tout les budgets d'un Clermont, d'un Toulon, d'un Eh oui. Racing. Mais voilà, mais Castres, je dirais, c'est encore un des rares rugby de clocher qui nous reste dans ce top 14, donc ça fait beaucoup de bien. Et qui Et avance avec tranquillement. leur, et oui, tout à fait, avec leurs moyens, avec C'est l'outsider leur presque. intelligence, ils vont aller défendre leur titre de champion de France. Et Tout à ça, fait. chapeau. Et on leur souhaite bien évidemment beaucoup de succès contre Montpellier, même si ça va pas être facile parce que les Montpelliérains, je vous l'avais dit, Martin, la dernière fois, et puis la semaine dernière, on n'a pas pu en parler, mais le match exceptionnel qu'a fait Montpellier face au Racing est quand même un avertissement là aussi, peut-être sans frais aux Castrés. Attention, parce que Montpellier, c'est une sacrée équipe et ça tourne très très fort. Mais encore une Et oui. fois, bravo Castres, et place tout à fait méritée. Très bien, Philippe. Merci beaucoup pour cette analyse de ce match. Et puis donc l'autre match, on en parlait brièvement tout à l'heure. Donc c'est le Stade Toulousain face au Racing et la victoire du Racing 21 à 16. Alors Toulouse, je mettrai explications dans cette défaite. C'est vrai que on a l'impression qu'il le répète sans cesse, Guinovès, mais c'est vrai que Toulouse a quand même payé un fort tribut cette année. Beaucoup beaucoup de joueurs blessés, un nombre de joueurs en équipe de France au-delà de n'importe quelle autre équipe. C'est pour ça qu'on comprend son agacement à Guinovès et qu'il demain il a envie de recruter des joueurs étrangers pour éviter de se faire saigner comme ça pendant toute l'année. Mais c'est évident que Toulouse a beaucoup souffert encore cette année de cet handicap, faut bien le dire. Peut-être qu'effectivement il y a aussi une, comment dirais-je, peut-être une forme de plus grande compétitivité des autres équipes, hein. C'est vrai que Toulouse a rayonné sur le rugby français pendant 20 ans. Il y a 20 ans de qualification en demi-finale pour le Stade Toulousain. Et cette année, pour une fois, patatras. C'est incroyable, hein. Mais c'est sûr que on voit bien qu'avec un Toulon, qu'avec l'émergence d'un Racing, demain il va y avoir le Stade français, n'en doutons pas. Moi, je suis certain que le Stade français va faire une grosse, grosse saison l'an prochain. Castres, s'ils continuent à être toujours aussi malins dans leur gestion, ils continueront à avoir les premiers rôles. Et donc, c'est vrai que Toulouse a affaire à une grosse concurrence, très, très grosse concurrence, et c'est évident que ça va être quand même beaucoup plus difficile. Maintenant, sur ce match des barrages, j'ai été un petit peu étonné, moi, de la composition d'équipe. Pourquoi avoir mis Doussin en numéro 10? Pourquoi avoir mis McAllister au centre? On sait quand même que McAllister, son poste, c'est demi-ouverture. Il pèse énormément sur le jeu quand il est en demi-ouverture. Voilà, je me suis un peu interrogé sur la composition d'équipe. Et puis Toulouse a quand même souffert je dirais, du train-train qui a été mené par le Racing. Très très clairement, c'est le Racing qui a imposé son rythme pendant ce match.
a joué sur ses points forts, et en particulier une mêlée qui a été fortement chahutée pendant tout le match hein, du côté du Toulousain. Bon, voilà, entre ces explications, ces interrogations que j'ai eues pendant ce barrage, et puis un merveilleux Sexton, parce que là aussi, on a parlé de cocotte à Castres, Sexton qui a parfaitement joué la partition au Racing, rentrant tous les points du Racing, arrivant à alterner le jeu. Voilà, là aussi, il y a des individualités qui se sont détachées. Le Racing a mérité hein, sa victoire, on peut pas rien dire d'autre. Mais pour moi, Toulouse, c'est un peu différent de Clermont. Ils sont pas dans la peau d'un loser, Toulouse. C'est vraiment une grosse équipe, normalement, à gagner. Mais peut-être que cette année, effectivement, ça a été un petit peu trop dur. La montagne a été un peu trop dure à gravir avec tous les cailloux qu'il y avait dans le sac, Martin. Très bien, Philippe, merci beaucoup. Voilà, donc on le rappelle, hein, les scores qui s'affichent sur votre écran. Clermont-Castres, victoire de Castres 22 à 16. Et donc la victoire du Racing face au Stade Toulousain 21 à 16. Philippe, ça nous donne pour la suite, hein, comme demi-finale, Toulon face au Racing et Montpellier face à Castres. Pour vous, qui ira en finale? Alors, oui, bien sûr, Martin, je vais vous donner moi La question qu'on attend quand même. mon choix, enfin mon choix, je pense qu'il risque d'arriver. Je joue très très sincèrement sur les meilleures équipes, sur les deux équipes. Ce seront très certainement Toulon et Montpellier qui iront en finale. Ce sont les deux équipes qui m'impressionnent le plus dans leur dynamique actuelle, dans la gestion de toute leur année. Et puis je trouve qu'il y a, même au niveau, je dirais, envie, bon, les quatre équipes vont avoir envie, mais il y a un petit plus pour ces deux équipes. Moi, Montpellier m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné sur ces dernières semaines. Je vois pas comment ils pourraient laisser filer ce match contre Castres. Et pareil, même si Toulon, ils vont commencer à avoir la tête à la finale de Coupe d'Europe, c'est un énorme challenge qu'ils se sont mis sur leurs épaules. Mais on sait la capacité à un Bernard Laporte, à un Mourad Boudjelal de transcender son équipe. Je pense que Toulon peut aussi passer. Je trouve le jeu du Racing aussi un petit peu stéréotypé. Je pense que et encore une fois, j'insiste sur je parlais d'intelligence tout à l'heure avec Castres, mais l'intelligence d'un Bernard Laporte pour complètement faire déjouer l'équipe du Racing, ce qui a peut-être pas su faire Toulouse. Voilà, donc très sincèrement, je penche pour un Toulon-Montpellier. Mais honnêtement, Martin, on retrouve, et j'insiste encore une fois, on retrouve quand même les quatre meilleures équipes de ce top 14 En en France. demi-finale. Il n'y a rien d'usurpé par rapport à cette affiche, à ces affiches. Très bien, donc Toulon Racing, ce sera le 16 mai à 20h45, et puis Montpellier face à Castres, ce sera le 17 mai à 16h30, et bien évidemment, c'est donc le week-end prochain, hein, on reviendra sur tous ces matchs ensemble, hein, Philippe. Voilà ce que l'on pouvait dire, hein, je crois, pour le top 14. Simplement, Martin, on n'a pas fait l'émission la semaine dernière. Oui. Si, une dernière précision qu'on peut quand même Qui descend, noter, hein. effectivement. Ah là là, c'est la descente de Perpignan, hein, en Pro D2, j'ai envie de dire. Mais quel drame pour le peuple catalan. Et honnêtement, vous rappelez, Martin, hein, sur l'émission qu'on avait faite la semaine d'avant, j'avais craint énormément pour Perpignan. J'avais dit attention, Perpignan est en grand Et grand oui, danger. c'était vraiment le... Il fallait qu'ils aussi, ils avaient une sacrée montagne à gravir, hein, aller gagner. Contre Toulon, à Barcelone, sur un match en plus délocalisé, puis après aller gagner au Marcel Michelin. Ils ont failli le faire, hein. Il leur a pas manqué grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Et même une victoire était pas utile. Il leur fallait simplement un match nul. Ils perdent de 3 points simplement au Marcel Michelin. Donc, mais quelle tristesse de voir l'USAP descendre. On sait quand même la ferveur de ce peuple catalan, on sait quand même ce que représente l'USAP pour cette région. Je trouve que c'est quand même un grand vide dans le rugby Pour le rugby français. français. Bon, pour le rugby français, très très clairement. J'espère très vite que l'USAP va rebondir. Je suis certain qu'ils vont rebondir. Ils vont remettre plein de choses à plat. Ils vont se réappuyer sur une nouvelle ossature.
Il y a un formidable vivier de rugby à Perpignan. Les espoirs, bon, cette année, on pas gagné le titre, mais les espoirs ont fait la demi-finale. J'ai pas encore vu les résultats des Reichel et des Krabos, mais ils sont toujours bien placés, Perpignan. Ils ont vraiment des jeunes joueurs qui s'appuient peut-être sur ces jeunes joueurs. J'espère qu'ils ne vont pas trop se faire saigner, et que beaucoup de cadres ne vont pas partir. Mais en tous les cas, je serai un supporter perpignanais l'an prochain pour que Perpignan retrouve très très vite, et si possible dès l'année prochaine, ce top 14. Eh bien, on Mais quand vivra. même, hein, Martin, Biarritz, Perpignan. Alors ça, par contre, je l'avais pas prédit, mais c'était compliqué quand même en début de saison de pouvoir penser à un tel dénouement de la En fin descente de saison. de ces deux monuments du rugby français. En tout cas, on vivra tout cela la saison prochaine ensemble sur Big Web TV, Bien sûr. si tout va bien. Absolument, Martin. Et puis donc Perpignan qui descend effectivement avec Biarritz, alors que Oyonnax et Grenoble ont réussi à se maintenir. Hein, Ouais, c'est voilà. vrai, Martin. Belle performance on va dire, de cette partie Rhône-Alpes, hein, puisque le Loup monte, Oyo se Son maintient, maintien. Grenoble se maintient. Bravo, un joli tiercé réussi pour la région Rhône-Alpes. Mais félicitations, ça compense la descente il y a maintenant quelques saisons de Bourgoin, hein, là Eh oui. aussi on l'avait évoqué, Martin, à l'époque. Cet esprit de la Berjali qui était parti en Pro D2. Mais voilà, bon, il y a des logiques aujourd'hui, des logiques financières qui font que c'est compliqué pour des clubs un peu ancestraux de pouvoir se maintenir. Il faut vraiment changer de modèle économique. Si vous me permettez juste 2 secondes, d'ailleurs, Martin, Allez-y. ce qui est extrêmement intéressant dans cette demi-finale, c'est que finalement, les équipes qui sont aujourd'hui parfaitement bien positionnés, ce sont des équipes qui sont entre les mains de véritables entrepreneurs, de véritables chefs d'entreprise, hein. Que ce soit Boudjelal à Toulon, que ce soit Altrad à Montpellier, que ce soit Lorenzetti au Racing, il n'y a que Castres qui est un petit peu encore à part. Mais ces trois équipes-là, ce n'est pas un hasard que ces équipes qui sont menées comme une véritable logique d'entreprise soient à ce niveau-là et tiennent aussi bien la dragée haute à toutes les autres équipes. Je pense que Oui, voilà, d'autres équipes du top 14 l'an prochain feraient peut-être bien de s'en inspirer. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un Clermont, un Toulouse ont-ils la bonne ont-ils pris le bon virage, ont-ils bien les bons rouages? Je ne sais pas, c'est une question à se poser. Mais en tous les cas, ce n'est pas un hasard de retrouver ces équipes aux mains encore une fois, d'entrepreneurs se retrouver au top niveau du rugby français. Très bien, merci beaucoup Philippe pour cette parenthèse bien intéressante dans notre émission. Voilà, on fait un peu de sport business une fois de temps en temps dans Rugby Time. Tout cela nous emmène bien évidemment au championnat de Pro D2. C'était la dernière journée ce week-end avec un multiplex cet après-midi et quelques résultats, on va les donner tout de suite d'ailleurs, à commencer par la victoire d'Agen sur Bourg-en-Bresse 27-22. Oui, alors on va être clair, hein, Martin. C'est vrai que cette dernière journée de Pro D2, il y avait par contre plus beaucoup de surprises à attendre, puisque tout était connu quasiment. On connaissait le nom des relégués, on connaissait le nom de celui qui remontait directement en top 14. On connaissait même les quatre, on va dire, demi-finalistes pour la deuxième montée en top 14. Donc voilà, pour Agen, c'était juste je dirais un rodage avant justement leur prochaine demi-finale. Agen qui aura la chance de recevoir sur son terrain Armandie. Je crois qu'ils vont recevoir Pau, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'était donc bon, face à des joueurs de Bourg qui n'ont pas pu, hélas, se maintenir la semaine dernière. Le match clé face à Carcassonne, la victoire de Carcassonne a définitivement scellé le sort de Bourg qui rejoint, hélas, après une seule petite année, la Pro D2. La victoire de Auch sur Tarbes, 28, 20, la victoire de Tarbes, pardon, sur Auch. Non, c'est la victoire de Auch, Non, c'est effectivement. Auch. 31, 28. Oui, une victoire un peu pour du beurre, mais c'est voilà, Auch a fait au moins plaisir à ses supporters, mais hélas, Auch, tout comme Bourg, descend également en Fédéral 1. Voilà, un petit peu de déception aussi pour cette équipe d'Auch qui certainement pensait faire une toute autre saison, hein, cette année.
Bon, ils finissent sur une note positive, mais c'était avant qu'il aurait fallu avoir ces victoires, Martin. La victoire de Béziers sur Aurillac, 34 à 19. Oui, là aussi, je dirais un match, alors là, vraiment pour du beurre. Béziers était de toute façon assuré de son maintien, Aurillac également. Ça a été un match de fin de saison sans, je dirais, un intérêt très 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 important, quoi. Bourgoin-Narbonne, victoire de Bourgoin, 23 à 16. Pour Bourgoin, les carottes étaient également cuites, hein, il n'y avait rien à espérer, mais enfin, en tous les cas, Bourgoin a fait plutôt une bonne saison, hein, cette année en Pro D2. Il faut qu'il s'appuie sur cette bonne saison pour confirmer l'an prochain et pour pouvoir espérer jouer les 5 premières places. Hein. Je pense que c'est vraiment l'objectif que doit se donner l'équipe de Bourgoin. Quant à Narbonne, cette défaite ne change absolument rien. Ils vont rencontrer La Rochelle pour la demi-finale. Match qui va être quand même compliqué chez les Maritimes pour les Narbonnais. Voilà, ils auront malgré tout Narbonne fait une bien belle saison, surtout une très belle deuxième partie de saison qui leur permet d'accéder à ces demi-finales de Pro D2. Victoire de Carcassonne 43-31 sur Albi. Carcassonne qui confirme que sur ces on va dire 5-6 derniers matchs, d'abord que leur place en Pro D2 finalement est méritée. Le fait qu'ils ne descendent pas, pourtant Carcassonne a été très très mal pendant un bon moment, hein, Martin, on l'avait souvent évoqué pendant ce championnat. Donc Carcassonne finit sur une note très très positive, donc avec ce très très beau succès. Et nul doute que et espérons pour eux qu'ils vont tirer les leçons de cette saison et qu'ils ne se mettront pas en tous les cas en si grand danger pour la saison prochaine. Victoire de Pau à Colomiers, 15 à 9. Voilà Pau qui aussi avec cette victoire assure, mais c'était déjà fait de toute façon sa place en demi-finale et pour Colomiers une défaite également sans conséquence. Le Loup qui s'est finalement imposé face au second de la Pro D2, le Stade Rochelet, 27-26, c'était peut-être le seul match très intéressant de cette Pro D2. En tout cas, intéressant. Oui, certainement. C'est vrai, Martin. Même si le Loup de toute façon avait validé son ticket en top 14 depuis la fois dernière. Oui. Pour La Rochelle, suite à leur match en retard, hein, qu'ils avaient rejoué face à Carcassonne, ça leur donnait quasiment la certitude de toute façon de terminer à la deuxième place et donc de recevoir pour cette demi-finale. Mais vous avez raison, c'était un match entre le premier et le deuxième où il y avait quand même un certain orgueil à devoir gagner ce résultat. Et on sait que les joueurs du Loup voulaient remporter cette victoire simplement pour essayer de prendre le plus grand nombre de points jamais réalisés encore par une équipe en Pro D2. Voilà, c'était leur challenge. Et ils ont gagné ce challenge en allant l'emporter. Belle victoire quand même du Loup qui a rien lâché et qui a joué le jeu en tous les cas, il faut le souligner. Et forcément, il faut toujours trouver des challenges quand on est Quelque déjà au part. summum du sport. Exactement. Et puis alors, Mont-de-Marsan-Dax, 40-0, c'était vite vu pour Mont-de-Marsan. Oui, je pense que les Dacquois étaient déjà en vacances. Un peu le derby des Landes là qui s'est joué. Le Mont-de-Marsan s'est promené, mais ça était certainement. Il y a Dax qui était peut-être. J'ai pas vu le match, mais certains Dacquois devaient être déjà en maillot de bain avec la serviette sur l'épaule là, pour prendre une rouste comme ça. Il y a une petite démobilisation quelque part. Avant de parler des demi, le classement, donc avec le Loup qui est en première position, 117 points. Agen et le Stade Rochelet, deuxième et troisième avec 98 points. Pau est quatrième, Narbonne cinquième, Tarbes sixième. Et puis dans le bas de tableau, on retrouve Dax 13e avec 53 points, Carcassonne 14e avec ses 50 points. Et donc Auch et Bourg-en-Bresse sont relégués avec 44 points pour Auch et 41 points pour Bourg-en-Bresse. Voilà Tout Philippe à ce que fait. l'on pouvait dire. Relégation fédérale une, absolument, Martin. Alors pour l'affiche des demi-finales de Pro D2, Philippe, ça nous donne que je Moi, regarde. j'ai en tête que ça devrait normalement être Lyon. donc les Maritimes contre Narbonne, Oui. La Rochelle donc contre Narbonne et sur le terrain de La Rochelle. Et la deuxième demi-finale, normalement, ça devrait être Agen contre Pau sur le terrain d'Agen. Ça sera à confirmer, Martin, mais si c'est la logique, enfin, si je ne me trompe pas, ça C'est doit la être ça, logique du normalement. rugby, c'était ce que j'étais en train de vérifier, Je vais vérifier. et c'est effectivement C'est ça. cela.
Voilà. Très bien, Philippe, je crois qu'on a fait le tour. Oui, simplement, Martin, oui. Une petite précision, les demi de Fédéralune hein, qui vont devraient donner aussi le ticket pour les deux équipes qui vont remonter en Pro D2. Hein. On va avoir donc Montauban-Lille et Tyros contre Massy. Donc assez intéressant. D'abord Montauban qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, en top 14 hein, et en Pro D2. Donc Montauban qui a fait une saison remarquable en Fédéral 1 en gagnant quasiment tous ses matchs. Là, ils se sont imposés contre Aubenas sur les deux matchs. Pour moi, c'est vraiment l'épouvantail. Pas de chance quelque part, j'ai peur pour les Lillois qui risquent de coincer encore. Car je vous avoue Martin, ça m'aurait fait plaisir de voir l'équipe de Lille monter en Pro D2. Parce j'imagine. Que, il y a du rugby dans le Nord et ça aurait donné une impulsion supplémentaire pour le rugby dans le Nord. Mais d'abord, c'est pas joué. Il y a un gros challenge qui attend Lille. Et puis on espère, de toute façon, si ça se fait pas cette année, que les Lillois réussiront leur pari de monter en Pro D2 rapidement. Le deuxième match, ça oppose Tyros à Massy. Massy qui était l'an dernier, vous vous rappelez, Martin, en Pro D2, hein, qui était redescendu. Donc finalement, Massy a fait une belle remontée pour espérer disputer ce barrage et pouvoir passer donc de nouveau en Pro D2 face à Tyros qui est aussi un habitué de cette Fédéral 1. Match là beaucoup plus ouvert, autant je mettais Montauban contre Lille, je mets vraiment une pièce sur Montauban. Tyros Massy, je vais peut-être jouer quand même Massy sur l'expérience, mais ça va être beaucoup plus ouvert en tous les cas. Oui. Très bien, Philippe, merci beaucoup. Voilà, comme ça, on est vraiment. Vous savez tout, surtout du rugby français. Donc, encore une belle saison hein, cette année, que ce soit en top 14, qu'en Pro D2, qu'en Fédéral 1, on en parle moins souvent de la Fédéral 1, mais oui. Voilà. Voilà, Martin, et puis j'espère que je vais gagner mon pari qui, je vous le rappelle, hein, qui était de dire que je faisais de Toulon mon double favori Coupe d'Europe top 14. Pour l'instant, je n'ai pas faux. On va voir les prochaines semaines, c'est-à-dire la semaine prochaine et dans 15 jours, on en saura un petit peu plus clair sur la dimension qu'a pris Toulon cette année. Mais voilà. Je pense que ça devrait être le cas en tous les cas. Eh bien, c'est parfait. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, une nouvelle fois d'avoir été avec nous en ce dimanche. Et puis, on se retrouve très certainement la semaine prochaine. Avec plaisir, Martin. Bonne soirée. Bonne soirée. À tous. Au revoir.